Coucou tout le monde, c'est Diounice pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre let's play, oui, sur Inazuma Eleven 3, les Ogres Attack. Je suis en compagnie de... Maxime21. Donc c'est un abonné à moi, qui a... Et bah on est parti, saisissez un nom, bah je vais mettre Diounice. Non attends, je vais mettre... Digou et Max. Ok. Voilà, donc on va un peu parler de beaucoup de choses dans ce let's play, parce que je le ferai avec lui tout le temps. Ouais. Voilà, si par exemple il y aura des invités, si un jour il y a Smash Super, il y aura Smash Super. Hein. Bon, alors ça commence. Est-ce que tu connais déjà le jeu, toi? Ouais, je l'ai fait en japonais. Ok, donc je commence. L'an 2000XX. Une certaine ville dans un certain pays. T'entends ou pas? Oui, j'entends. Ok. Donc là, on arrive dans l'espace, là, avec Canon. Je vais être super en retard. Mais il faut bébé. De quoi? Mais il faut bébé, on dirait. Ouais. On fait un match de foot. Viens, je suis sûr que t'as envie de jouer avec nous. Désolé les amis, je dois aller retrouver Monsieur Gillard. La prochaine fois peut-être. Il a vraiment une voix de gamin. Hein. Oui. Donc là, il y a plein de gens qui parlent et qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ouais. Moi, je l'ai fait en japonais aussi, mais c'était il y a quelques temps, donc je me souviens plus très bien. Oh, quelle foule! Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il par là-bas? Allez voir. Ah, on peut le contrôler, c'est bien, putain. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il a? Je vais vite aller voir. Ah, putain, il a deux techniques, en fait, déjà. Il a la foudre V2 et tête explosive numéro 2. Ok. Moi, je connais pas très bien, donc je regarde un peu. Donc, je vais enlever le son, comme ça, on peut parler un peu. Dis-moi de quoi tu veux parler, toi. Je sais pas, c'est comme tu veux, en fait. Est-ce que tu suis d'autres mangas? Est-ce que tu suis d'autres mangas que Inazuma? Ouais, du Naruto, du One Piece. Ah bon, on va parler de One Piece alors. Ouais, ou du Naruto ou du Inazuma. Ouais, on va d'abord parler d'Inazuma Eleven. Ok, là il y a Lancer et toute sa team qui arrive là. Attends, je les juste comme ça, ils peuvent un peu entendre. Voilà quoi. Comment ça s'appelle? Ah, Digou. Ouais. Tu prends un montage pour ce jeu? Ouais, je crois que je vais mettre une intro. Ouais, voilà. Tout simplement. Bah alors là, attends, je vais parler parce qu'il y a un dialogue et puis après on parle. Ça alors, des troupes d'élite. Je me demande où ils aillent. Là, il reçoit un coup de fil de son je sais pas quoi là. Allô? Commandant, chef. Ouais, voilà. Ah, excellent, j'arrive enfin à te joindre, Canon. Monsieur Killard, désolé, je me suis pas réveillé. Rejoins-moi immédiatement, c'est très important, tu vois. Murmure. Ok, bah maintenant on va parler un peu, donc voilà, de toute façon ils savent voir. Hein. On va parler de Inazuma Eleven. Je vais te demander, je vais te poser des questions, toi tu vas me répondre, ok? Yes. Et puis on fera l'inverse. Quel est ton personnage préféré dans tous les Inazuma? Alors c'est Zanark. Zanark? Ouais. Moi mon personnage préféré, pour ceux qui le savent pas, c'est Alpha. Enfin, Alpha... Attends, j'ai 4 personnages préférés. Alpha, donc, de Protocole Omega. Edgar. Attends, là, il y a une cinématique, putain, elle est trop énorme. Edgar. Tsurugi et Zanark. Mon garçon, il semble que tu sois devenu trop bon. De quoi? C'est vrai que Zanark, il est fort. Ouais. Les seuls défis qu'il me reste sont ailleurs, au-delà des mers. Et il y a la petite cinématique dans tous les Inazuma Eleven 3. Hein. Ouais. Bon, ils montrent Edgar, Paolo et tout le reste. On y va, Dylan. Je te suis, Marc. Tire de l'hélicoptère. Ouais. Attention.
fait, t'as entendu la nouvelle? Ils vont rentrer. Hein? Tu plaisantes ou quoi? À en croire la rumeur, ils ont l'intention de reformer notre ancienne équipe. Alors, d'accord, c'est décidé. Les États-Unis s'apprêtent à conquérir le monde du football! C'était sûr qu'on allait gagner. On est vraiment les plus forts. Michele. Bon, je vais arrêter la cinématique, là, c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, ouais. Ils peuvent déjà la voir, il y a presque tous les youtubeurs qui font. Donc, on va parler. Donc maintenant, deuxième question. Pour toi, la plus belle et la meilleure super technique de Inazuma Eleven? C'est Great Maximum Support. Ok, donc la technique de Zanar. Ouais. Ok. En fait, tu parles de Zanar, en fait. Ouais. Tu l'adores, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il est stylé. En plus, tu suis Inazuma Eleven Go Galaxy? Ouais, mais c'est vrai. C'est son frère ou pas? Bah, moi, au début, moi, je croyais que c'était lui. Puis après, ouais. Smash Super, il m'a dit comme ça, non, c'est son frère. Mais Zanark, il était dans l'ancien temps, donc est-ce que c'est possible que c'est son frère ou est-ce que c'est lui? C'est vrai qu'il a changé de coupe. Hein. Ouais, je sais pas, je crois que c'est son frère, ouais, un truc du genre. Mais il a essayé d'utiliser la technique sur Missy Max, quand même. Ouais. Donc, on va poser... Attends, les footballeurs juniors du monde entier rêvent de devenir champions du monde. Les meilleures équipes du globe se préparent à un combat sans merci pour obtenir le titre. Et le Japon ne fait pas exception. Donc, on va faire une vidéo de 30 minutes à chaque fois, si ça te va. Oh ouais, ça me va, j'ai longtemps. Ok, et tu vois, comme je peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes à cause des droits d'auteur, je vais la couper en deux, tu vois. Ok. Voilà, donc je ferai une intro, je mettrai mon nom, puis je mettrai le tien à côté, enfin, on fera un truc du genre. Je vais demander à mon père, parce que c'est lui qui fait tout, donc... Père, sauve-toi. Ouais, il fait tout, enfin, il est hyper bon en informatique, donc voilà. Donc là, c'est au collège alpin avec Shaun, ouais, voilà. Avec son collège. Et là, il y a Monsieur Hillman qui va le chercher. De quoi? Je sais pas, il y a plus de bruit d'un coup. Non, c'est parce qu'il y a une fin. Attends, je vais mettre le son quand même. Voilà. On va parler, donc, le perso le plus stylé pour toi. Bah, pareil. Zanark. Pour moi, le perso le plus stylé, c'est... c'est Edgar, donc, dans Inazuma Eleven 3. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Même si bon. Et quand même aussi un peu Goenji quand même. Ouais. Les cheveux bleus, super. Ouais, quand il était empereur là du 5e secteur, il était assez stylé quoi. Ouais. Est-ce que t'as une 3DS japonaise toi? Non, j'ai qu'une 3DS française. Donc moi, tu m'as vu que j'ai une 3DS japonaise. Quoi? Moi, j'ai une 3DS japonaise, t'as vu ça quand même? Dans mes vidéos. Avec tes épisodes de Inazuma Eleven Go. C'est-à-dire, je t'en ai demandé de refaire. Ouais, oui. Donc, j'ai Inazuma Eleven Go Galaxy. J'ai réussi à recruter Zanark forme d'avant. Mais je forme avec les gros cheveux. Ouais, voilà. J'ai réussi à le recruter, mais ça a été hyper compliqué. J'ai cherché sur des forums et tout le blabla. Mais je vais pas le mettre dans ma team principale parce qu'il a pas de Mixi Max. Ouais, mais il a pas de Mixi Max jeune. Il a pas de Miximax, il a accès technique d'origine. Ah, attends, il y a une cinématique là. Il y a trop de cinématiques, hein, c'est ça le problème. Marc, réveille-toi. Oh, mais où suis-je? Oui? Je me vois, comment s'appelle la technique déjà de Zana? Ah oui, Dissociation Break. Ouais? Tiens, arrête ça.
T'as un mec dans tes rêves, il vient et te dit arrête ça, quoi. C'est un peu... C'est pas logique. Ouais. Y a un mec qui vient dans ses rêves comme ça, tranquillement. Bien joué, arrête ça, je dis pas. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc toi, t'habites en France ou en Belgique? Attendez, qui êtes-vous? En France? Regarde. De quoi? Heureusement qu'il y a Skype. Ouais. Le chemin que tu as parcouru, tout le travail que tu as accompli pour devenir un grand footballeur, tu as gagné le football frontière, ce qui a fait de toi un champion. Tu as réuni les meilleurs joueurs du Japon et tu as évité au pays de subir une catastrophe nationale. Ah oui, maintenant pour toi la meilleure équipe de tous les Nazuma. De tous les Nazuma? Ouais. Alors, je pense mais que c'est quand même. Déjà, je veux dire que c'est pas. Eleven, déjà. Non, c'est pas. Il y a que 3 personnes. 4 avec Kinsuke. Ouais. La meilleure équipe, j'aurais dit, serait l'équipe du grand-père de Mark. Ouais. Mais en fait, imagine, ils font un match. Donc, Inazuma Eleven, tout court, contre Inazuma Eleven Go. Pour toi, qui gagne? Donc, l'équipe de Marc contre l'équipe de Tenma. L'équipe de Tenma, vu qu'ils ont été chiens. Ouais, c'est ça le truc. Il y a Marc dans le jeu Inazuma Eleven, dans les Inazuma Eleven Go. Il a Makin Hunt, le même Kenshin que Shinsuke. Il y a Goenji, il a le même Kenshin que celle pendant la finale, là, qui a Ballista Shot en finale de football frontière dans Inazuma Eleven Go. Ouais. Et le reste, ils ont pas de... Il y en a que deux qui ont des avatars en fait. J'arrive pas à trouver l'épisode 39 de Inazuma Eleven Go Galaxy. 39 il est pas sorti hein. Ah ouais, c'est pour ça. C'est le 38 qui est sorti il y a 2 jours. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai vu. Elle m'a dit dans Inazuma Eleven 3, 7 phases. Axel niveau 49. Aphrodite niveau 33. Mais moi je vais pas vraiment y jouer beaucoup à ce Inazuma Eleven 3. Parce que je l'avais déjà fait sur mon ordi, en fait, j'ai pris un émulateur, je l'avais déjà fait. Mais, parce que, voilà. Peut-être que je vais faire des parties en ligne. Je crois qu'il y a qui a ce jeu encore? Il y a Axel Eleven. Ouais. Le Teogre, les Ogres. Oui, il y a Axel Eleven. Ouais. Moi, sur mon ordi, ça va marcher, je crois. Il y a XX Killer 47 aussi. Ouais. Non, parce que je suis super. Non, Smash Super, il a feu explosif ou je sais pas quoi. Ouais. Alors maintenant, on va parler d'un truc. Attends. Non, maintenant, je vais te demander si tu connais ces mangas et tu vas me dire si tu les connais, par exemple. Tu me donnes des notes sur 20, sur 10, tout ce que tu veux. Est-ce que t'aimes bien Pokémon? Bah, oui. Oui? Oui. T'es un grand fan ou ça va, quoi? Attends. Normal. Normal. Oh là, il y a une belle photo. Il y a la photo du collège Raymond, donc avec Jack et tout ça, avec Hurley, Scotty. Quand ils ont gagné contre les aliens, et il y a juste à côté, il y a la photo du grand-père. Bon, de quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je t'ai dit... Oui, est-ce que t'es un grand fan ou pas de Pokémon? Fan tout court. Ok, donc il y a Marc, il a déjà Point de la Justice. Ouais. Ah ouais, le bel arrêt de Marc que j'ai fait. Putain, il y a que 7 boîtes de rangement. Attends, on peut mettre combien de joueurs par... Mais non, mais dans Inazuma Eleven, les jeux. Oui. Il y a des où tu peux mettre des joueurs là quand tu vas sur joueurs. Ah oui, moi je sais pas comment j'en ai. Ça va se faire. Il y a que 7 boîtes, enfin 7 colonnes. Non. Il y a. On sait pas recruter de beaucoup de joueurs en fait. Ah, c'est naze ça.